fasse un peu le point aussi des motocrottes là. Oui. Comment on peut le faire ça? Vous voulez que je vous dise? Vous allez gagner. Vous allez gagner. Pour vous, la commission d'investiture est transparente. Autre question? Vous allez faire chier M. Strauss-Kahn pour une secrétaire, etc. Vous lui faites des papiers et des papiers. Et là, vous avez des milliards qui passent dans votre administration. C'est moi qui ai fait le maire de Paris. J'aborde cette phase avec allégresse, enthousiasme et gravité. J'aime beaucoup Jack, bien qu'en ce moment il me gonfle un peu, mais j'aime beaucoup quand même. Fichtre, est-ce qu'il se passerait quelque chose au Conseil de Paris? Mais oui. La guerre de succession pour la mairie de Paris a commencé dès 1995. Jacques Chirac désignait Jean Tiberi et l'asseyait dans son fauteuil. Le dépositaire de l'héritage s'est battu pour démontrer qu'il n'avait pas usurpé le titre de maire de Paris. Il n'a jamais convaincu, ni ses rivaux, ni ses alliés, ni même ses amis. Tous ont préparé l'élection de mars 2001. Chacun a mené sa propre guerre, souvent bien éloigné des nobles enjeux d'une bataille politique historique. Pendant 2 ans, au détour des couloirs ou dans le secret des bureaux de l'hôtel de ville, une caméra les a suivis.